to your favorite modern world. Le groupe Lazuli vient de sortir un nouveau live. Enfin, vient de sortir. Disons qu'il est arrivé un peu plus tard que prévu à la maison grâce aux bons soins de la poste. En fait, le premier exemplaire n'est jamais arrivé et Demi a eu la gentillesse de m'envoyer un nouvel album il y a quelques jours. Ce live a été enregistré en 2022 au festival de Night of the Prog à la Lorelei, qui, hélas, cette année, fermait ses portes avec justement la participation du groupe Garrois. Un festival auquel je n'ai jamais assisté, je l'avoue, principalement parce que je suis une grosse feignasse. Le Lazuli Loro Live est un CD accompagné de son DVD. 13 titres audio et 16 en vidéo, on trouve en plus des rails, Homo Sapiens et le générique de fin, donnent la part belle à l'unique concept album du groupe, à savoir le magnifique fantastique envol de Dieter Bohn, paru 2 années auparavant. Pantalon et t-shirt noir, les 5 compères pourraient presque sembler en uniforme si 2 rebelles ne soulignaient leurs différences. Romain portait un pantalon rayé et Arnaud des sockets orange. Même si ce n'est pas la première fois qu'il se produisait dans le célèbre amphithéâtre, le groupe, sans doute pas aussi détendu qu'à l'ordinaire face à une telle audience et ce temple mythique du prog, a un peu de mal à occuper la scène. Seul le petit nouveau, sans doute inconscient du danger, aura l'audace de se livrer à un solo de guitare devant la foule enthousiaste. Dominique descendra tout de même dans l'arène à la rencontre du public, en liesse, où j'ai reconnu au premier rang quelques habitués de chez Paulette. Arnaud s'offre quelques moments de bravoure à la guitare, comme dans Mer Lacrymale, et Romain joue au gonzo du Muppet Show avec son corps de chasse dans Les Sutures. Il n'y aura pas le traditionnel marimba à 9 mains pour clôturer ce live. Pourtant, l'instrument trône bien au fond de la scène et Vincent viendra en jouer pendant que Romain massacrera la batterie de manière enthousiaste. Dominique s'essaie à quelques mots en allemand, aussi maîtrisé que son anglais de franchouillard, mais cela suffira à galvaniser le public de la Lorelei. Quand on parle de DVD, on parle aussi d'images. Le concert se jouait avant la nuit tombée, et donc, pour ce qui est des éclairages, ce n'était pas vraiment un feu d'artifice. Visuellement, même dans la petite salle de chez Paulette, ça fonctionne mieux. Par contre, les caméras s'efforcent de varier les plans pour rendre vivant un show assez statique et au final, on ne s'ennuie pas. Manifeste souvent pendant l'enregistrement, nous rappelant qu'il s'agit bien d'un live, mais si vous aviez un doute, les versions revisitées pour l'occasion de certains morceaux devraient vous mettre la puce à l'oreille. Lazuli est en concert et faute de pouvoir raconter quelques anecdotes à la foule, le groupe s'offre quelques libertés sur les versions enregistrées en studio, et ça n'est jamais pour me déplaire. Ce chouette live n'est pas forcément indispensable, sauf pour les fans de Lazuli, dont je fais partie. Par contre, ce CD et DVD constituent un magnifique souvenir pour ceux qui étaient présents cette année-là au festival. Il m'a donné furieusement envie de les revoir pour de vrai, ce qui devrait se produire le 20 octobre prochain au Z7, pas loin de Bâle, en Suisse. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel album. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique et si vous voulez suivre les autres, abonnez-vous. Bisous !